Bonjour à tous et on se retrouve avec un peu de retard mais beaucoup de plaisir sur Rome de Total War pour la suite de ma campagne. Alors déjà je m'excuse mais pour ceux qui sont sur la page Facebook, et en tout cas pour ceux qui ne le sont pas, on se retrouve bientôt dessus. J'ai eu un problème avec mes ports USB et un peu d'eau qui a été versée dedans à cause d'un chat que je ne nommerai pas. Donc du coup j'ai été un peu vénère ces deux derniers jours et la campagne a pris du retard. Bref. Si vous vous rappelez bien, je peux pas faire de résumé, mais nous nous sommes quittés à l'aube d'une bataille épique contre Drangian, qui a décidé de faire une sortie, suite au fait que j'étais en train d'assager sa ville. Et à moins que je dise des conneries, c'est le dernier bastion, la dernière présence militaire Drangian, et je vais nous faire ce plaisir à aller les péter moi-même. Donc comme vous pouvez le voir, pas énormément de troupes dangereuses en face. La seule chose, c'est pas mal de frondeurs, mais qui devront s'avancer, donc du coup, pour moi, c'est du pain béni. Je m'excuse par avance, j'ai toujours mon problème asthmatique, donc je vais devoir probablement tousser un certain nombre de fois pendant cette vidéo. Ça finira par se régler, hein, mais il faut que ça se... il faut que je m'habitue. Donc, là, moi, j'ai quoi? J'ai des peltasts. Ah oui, c'était le test des peltasts, voir ce que ça fait. Des archers qui pourront se faire un plaisir d'éradiquer tous ces gens-là. Et les peltasts que je pourrais péter au corps à corps. J'espère que quand je tousse, ça vous défonce pas les oreilles. Si c'est le cas, je vais essayer de me contrôler. Le problème, c'est que ça se déclenche quand je parle, donc c'est vachement pratique pour faire les vidéos. Passons. Déjà, j'ai mes balistes qui ont pris cher, à mon grand regret. Donc ça c'est fait. Des piquets. Piquet à l'inothorax. Voilà. Non, ta mère. Hop. Juste derrière. Alors là, je vous ai peut-être mis un peu trop collé à leur basque. Ah bah non, j'ai très bien géré. Vous serez les 3. Très bien là où vous êtes. 4. C'est des mêlées. C'est moi qui me suis fait avoir en les prenant. Je pensais pas que c'était ça. Qu'on va mettre ici parce qu'ils sont quand même relativement fumés. Donc pensez à les faire avancer. À la limite. Voilà. Comme ça. Et... vous deux, vous serez la force 4 avec mon général. Donc, en avant toutes. Je pensais les avoir fait avancer plus que ça. Mes balises commencent à tirer. Alors, je sais pas où elle tire, mais elle tire dans des endroits très peu intéressants pour nous, finalement. Donc, plutôt tirer par là. Avec les rafales enflammées. Pas sûr qu'il tire ses premiers boulets, mais au moins, ça nous permet d'admirer les boulets en vol. Chose que je peux trouver intéressante, sur le coup. On fait ça. Voilà. Donc là, ça commence à faire mal. Très bien. Ici, je les étale. C'est fait. Et... go! Les piquets sont en place. Je rappelle que eux, il faut aller les prendre. Sinon, ça va faire mal. Et toi, il faut que tu vises le général. Avec des boulets normaux, ça devrait suffire. Mes archers se font plaisir. En défonçant leur cavalerie. Eux ont également de la cavalerie, mais rien de très très dangereux. Ça par contre c'est très très relou, et je me suis fait avoir comme un noob. Donc là, ils viennent dessus. On les laisse foncer sur nos piquets. Je rappelle que ce n'est absolument pas une priorité. Par contre, toi... ici... voilà. Ici, ils se mangent mes piquets, bien fait pour eux. Mes balises continuent de marave le général, c'est très bien. La seule chose que j'ai voulu voir, ça, voilà, très mauvaise initiative de ma part. Ce qu'on va faire... voilà, comme ceci.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Voilà, donc 5, halte au feu. Par contre, mon général, c'est quoi? Ce sont des piquets. Olé. Je les ai pris de côté, donc ils vont pas aimer du tout. Mon général fait son travail autant qu'il le peut. Voilà, eux sont relous. Mais en gros, je voulais envoyer ces troupes-là, là, sur eux. Voilà, vous, vous courez sur eux. Mon général, ah non, c'est pas mon général, mais... Voilà, ça c'est fait. Hop. Vous, faut que vous tiriez là-dedans. Ce qui est le cas, très bien. Mon général a fini ici avec le leur. Et eux ont dispersé toutes les troupes ici présentes. Donc... Tu viens là, 2. Ici. Mon général, essaye d'avoir cela maintenant. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à les faire fuir rapidement? Oui. Enfin, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ici. Alors, je vais remonter parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, je me baisse quand je joue. Demi-tour. Hop. Voilà. Un bon petit piétiné des familles. Là. Alors, 3, parce que là, ils sont en train de se prendre des branlés. Ok, donc ça, je les ai fait se replier, c'est très bien. Mes cavaliers ont de quoi faire. Foncez dans le tas, là. Mes cavaliers, plutôt derrière. Voilà, mes archers ont de toute façon de quoi faire. Voilà, hop. Ici, ils vont tirer à volonté sur tout ce qu'ils voient. Voilà, un bon massacre de montagnards, ici. Voilà, comme ça, ils peuvent fuir. J'aurais fait de la merde avec ces archers, c'est de ma faute. 200%. Je continue quelques secondes, tout bêtement, pour m'assurer de la mort de tous ces braves gens. Alors, il faut faire ça. Vous deux, il faut que vous vous arrêtiez. Mon général... Parce que la populace en s'en bat les noix. Voilà, comme ça. On passe en x3. J'espère que mes archers seront en place relativement rapidement pour pouvoir tirer à tout bout de champ. Voilà, comme ça. Hop. Donc ils tirent sur eux. Ce qui n'est pas très malin dans la mesure où ça risque de toucher mes troupes. Mais au final, tout se passe très bien. Et on va mettre fin au combat. Très bonne première bataille. 257 tués pour mon général. 105-126, moins que ce à quoi je m'attendais. Pardon. Et je garde quand même mon unité d'archer. Et finalement, les peltastes n'auront pas eu l'occasion de montrer leur valeur. Néanmoins, ce qui comptait, c'était d'éradiquer l'armée des Drangianes. Il leur en reste très peu et leur général est mort. Donc je pense que c'est une bonne opération pour ma part. Nous allons pouvoir vérifier ça. Donc ouais, bon, c'est pas encore ça. Tuer les troupes. Il a reculé dans la... C'est étonnant, ça, quand même. Là, ça commence à faire chier. Donc, hop, Perse. La dernière armée Perse. Donc, ils ont embauché plein de machins, là, mais on s'en fout. J'ai une armée de garnison qui tient très bien la route. J'aime beaucoup faire de la défense, mais franchement, ça sert vraiment à rien pour ce que c'est. Je l'aurais fait si j'étais hors caméra, quoi. Pour m'éclater. Hop, je vous tue, mais vous allez revenir, ce n'est point très grave. À notre tour. Ok. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose avec un de mes généraux. Autre famille, autre famille. 5% de morale pour les unités. On va prendre toi avec des chevaux. Voilà. L'apocalypse Drangianne. Guerre déclarée. Entre Nazamon et Drangianne. Alors moi, ça m'arrange, parce que du coup, j'ai une guerre commune avec Nazamon. Je vais tenter. Regardez-moi ça. On s'entend très bien. Pourquoi? Action militaire contre Drangianne. Donc je suis très content. Non.
Aïe, le chat, casse-toi. Ok, donc ils ne veulent pas parce que c'est modéré. Paiement. Oula, 4800, beaucoup trop. 1600, ça suffit. Donc, hop, 124, alliance militaire modérée. Écoutez les dieux et joignez-vous à cette guerre. Hop, je veux une alliance militaire. Avec un peu d'argent, du coup, on a compris que ça ne leur suffisait pas. Ce que je demande est... Et j'ai une alliance militaire avec Nazamon. Donc, ayant une alliance militaire, l'Aegyptus est passé sous mon contrôle. Donc, c'est nickel. Comme vous le voyez, pour que je gagne, il me manque des unités navales. Mercredi, le chat, tu marches pas sur le clavier. J'en peux plus de ce chat. Tu me mets fin au tour, j'ai rien eu le temps de faire. Je suis désolé. C'était pas calculé. Tu t'approches pas de moi ou je te bute. Non, les câlins, c'est pas maintenant non plus. Non. Je suis content, j'aurais quand même fini ma campagne avec les romans encore vivants. Tu continues à marcher sur mon clavier, je te tue. Tu ne joues pas sur la souris non plus. Bonjour, je suis super casse-couille et c'est moi qui fais chier mon monde. Bonjour. Voilà. Allez, va jouer. Drangiane la paix. Statut de client. Non. Remarque, c'était intéressant. Le problème, c'est que, bah voilà, c'est eux qui m'ont déclaré la guerre. J'ai rien demandé, moi. Donc, ils assument. C'est pas de ma faute s'ils meurent après. What? Massilia, agent caché découvert, sabotage. Je m'en fous. Femme noble. Donc, je me fais attaquer par des restes d'une armée minable. Qui va se manger une attaque par derrière, genre rentre chez ta mère, espèce d'enfoiré. Voilà, c'est très bien comme ça, tire-toi. T'as de la chance que je puisse pas te poursuivre. Donc là, pour le moment, la chose la plus importante à Massilia. Poursuite, pillage, 4 bateaux, tac. Ensuite, Néapolis, embaucher une flotte. Tu recrutes des bateaux. Voilà. Je m'en fous hein, de tout le reste, là pour le moment, c'est vraiment pas ma priorité. Il se pourrait que ce soit notre dernier épisode. Je sais, vous allez pleurer, mais pas moi. J'ai jamais fini de campagne. Je suis heureux. Eux sont venus me filer un coup de main, c'est vrai, pour là. Parce que je rappelle qu'au final, les 98 sont vraiment très proches. No More Room in Hell, très bon jeu. Je ne sais pas. Lever une flotte. Toi, toi, ici, tu recrutes des bateaux. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais ça partout et puis on n'en parle plus. Néanmoins, j'ai quand même deux villes à prendre encore. Ici, donc nous sommes toujours en guerre contre les Drangiennes, ça commence à me coûter cher. En homme, 87%. Voilà, ça c'est fait. Non, parce qu'il faut pas que je perde de temps et j'espère que je vais pas perdre énormément de troupes là-dessus. Je n'ai rien perdu, très bien. Occupation de la ville. Je rappelle que pour les Drangiennes, il leur reste donc que Masgat. Et 2, 3, what? Des armées. Ah, Marie. Je ne sais plus compter, ma faute. Nabaté. Toi, quel chemin étais en train de tu donc de prendre? Ah, tu venais quand même aider ton prochain en bas. Vu qu'ils sont pas très loin, même s'ils ont plus trop grand chose, on va faire ça. Tu vas venir ici en prévision. Ici, bâtiment romain. Allez, on va te garder militaire, toi. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est important. J'ai tout rechangé. Très bien. Passer en niveau 2. J'ai plus d'argent. Faire attention. Là, j'ai pas de port. Ce qui est bien dommage. Par contre, bouffe, temple. Bouffe, temple. Ici, j'ai un truc. Mais j'ai plus de force à embaucher. Donc, faudra attendre le prochain tour. Donc j'ai conquéri tout ça et au final peut-être que les 90 pour faire propre, je vais aller choper les deux villes qui sont au sud.
histoire de faire vraiment quelque chose de très bien. C'est le site du tigre, tout va bien. Ici, j'ai un bâtiment, donc de la bouffe. Suse, tout va bien. Ici, j'avais envoyé une armée pour me terminer les Perses. Voilà, va-t'en. Hop, toi. Je t'écrase. Comme ceci. Waouh. Désolé. C'est assez moche ce qui m'arrive. Je n'ai perdu personne, mais je me suis débarrassé d'une armée. Et toi, peux-tu aller jusqu'à eux? Oui. Vont-ils fuir? Oui. Mince alors. Bref. Ici. Allez hop. Toi. Ouais, ça suffira largement avec tes troupes de merde. Bim, voilà. Parce qu'en plus, on a les renforts de l'armée d'à côté. Je me serais débarrassé des Perses. Ça, c'est une bonne chose de faite. Dégage, voilà. Les Perses ont disparu. Voilà, vous, vous avez ceci à prendre et ceci à défendre. Là, rien à faire. Je me suis débarrassé des Perses, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je me suis débarrassé de tout ce qui était ici. Mon dernier problème est donc les Drangianes. Il y a l'Arménie qui se fait doucement mais sûrement rouler dessus. Comme vous pouvez le constater. Cette ville est aux mains d'un inconnu. C'est intéressant. Le pont a pris ici. Ça sent encore l'Arménie. Ok. Donc je ne suis pas en guerre contre eux mais peu s'en faut. Et est-ce que j'ai une armée quelque part par ici? Non. Non. J'ai une armée là-haut. Non, on a là. Ok, donc ça c'était en prévision de... Ah bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que... Non, on va rien faire du tout. Rappelons-nous qu'il n'est pas nécessaire de faire la guerre à l'Arménie. Laissons-les faire. Gazaka, et j'avais dit il y avait ici la Médie. Donc ça c'est des rebelles qui ont pris la zone. Grand bien leur en face. Je recrute énormément de troupes. J'ai un agent ici. Hop, franchement là c'est vraiment histoire de finir. Hein. J'appuie un peu partout pour parce qu'ils n'auront pas de grande incidence. Par contre ce qu'on va faire c'est voir à l'ouest quand même. Du côté de nos amis gaulois. Burdigala est en pleine reconstruction, donc ça c'est très bien. Ici très bien très bien. Va pour l'ordre public et pour négociant à 20 pour un peu plus d'argent. Au prochain tour, nos amis gaulois sont donc ici, ma ville se porte très bien, j'aurais dû garder mon argent pour réparer ça. Fin du tour. Rome veut toujours que je rejoigne la guerre contre Carthage, mais... Il aurait fallu que je compte le nombre de fois où il me demande de faire ça. Oui, mais non, j'ai déjà dit que je ne déclarerai pas la guerre à l'Arménie. D'ailleurs, il faut que je vérifie si je n'ai pas de traité en cours avec eux. Histoire que je leur déclare la guerre pour avoir la paix. Quand je chasse, je cherche à m'amuser. Quand je parle, je cherche des réponses honnêtes. Ouais, mais ils sont en guerre contre tout le monde et après, il faudrait accepter... Tiens, Nabaté s'est fait rouler dessus. Donc c'est pas que je veux pas, c'est qu'ils ont plus d'armée et le problème c'est que de toute façon j'ai pas mes 60 bateaux. Votre peuple, même s'il l'ignore encore, s'émerveillera devant nos marchandises. Très bien. Moi je suis d'accord, il y a pas de raison. Tu fais ton trou au milieu de grandes puissances. Hop. Donc j'ai fait une recherche. Un héros est mort, intrus, tentative, gna. Faction rencontrée, la Médie, c'est ça, ok. Ok, donc ici tout est bon. La Confédération Celte a donc pris tout ça, j'ai bien fait de m'en méfier. Et eux seront là en cas de pépin. Hop, ici s'il te plaît. Voilà. Ami bateau, c'est parti. Toi, il faut recruter encore, donc tu recrutes ça, très bien. Néapolis, tu vas recruter ça. Massilia, tu vas recruter ça. Ici. Oui, non, j'avais dit que j'avais pas assez de... Ouais, ok. J'ai perdu les Gaulois qui sont montés sur Nemosos. Qu'est-ce que j'ai à Nemosos? J'étais piqué. Et eux ont 3 balistes. Merde. C'est chaud quand même.
Ah, bah voilà pourquoi j'ai un trou dans mon déficit. Ça va mieux quand même. Zut. On va profiter du fait qu'il y a du monde là-haut. Je vais essayer de voir ce que je peux faire directement chez les Gaulois. Donc, rappel rapide d'objectif. 89 colonies. 40 unités navales, donc je m'en sors plutôt pas mal. Où est-ce que je peux en recruter encore des bateaux? Alors déjà, toi. Est-ce que je peux lever des troupes? Oui. Lever flotte là, tac. Recruter. Voilà, comme ça, je peux pas faire mieux. Je crois que j'en ai oublié. Donc ici. Voilà. On va t'agrandir pour le fun avec ça. Voilà. Une grosse ville juste à côté. C'est très bien. Ensuite, militairement parlant. Hop. Parce qu'on va quand même profiter de cette fin de série. Je ne peux pas y aller. C'est dommage. Donc on va, bah on va avancer doucement mais sûrement, je dirais. Jusqu'à leur petite ville. De toute façon, toutes leurs troupes ont été ramenées à l'arrière, je crois. Il n'y a que, mais ils perdent tellement de troupes dans le désert que c'est très mauvaise opération pour eux. Et vous, on va vous emmener jusqu'ici. Donc, tu suis la route habituelle. En avant. Décidément. Donc là, tranquille, posé. Pourquoi je suis passé à 89, sachant que je me souviens pas avoir pris de ville. Si, c'était peut-être celle-là. Ok, bon, bah on verra. Donc là, deux villes. Ici, il y a Nabatée, je crois. Non, Nazamon qui est allé jusqu'à prendre cette ville-là. Et donc ici, Nazamon, neutre, Nabatée. Ok. Nabatée qui va finir par disparaître, je pense aussi. Dans un avenir plus ou moins proche. Ici, des bateaux recrutent. Éphèse, je ne peux pas recruter de nouvelles troupes parce qu'on n'a aucun candidat. J'aurais fini à 46%. Alors toi, 10% de richesse de tout le commerce. Alors je fais ça pour augmenter un peu. De toute façon, ça me coûte un peu d'argent. Voilà. Hop là. Ici, tout va bien. Ici, je recrute un bateau. Ici, j'en recrute aussi. Là-bas, j'en recrute. Je recrute des bateaux partout. C'est merveilleux. Tout va bien. Pour le moment, j'ai rien à faire. Donc, on va juste passer côté Drangiane, voir ce qui se passe. Comme ceci. Et mettre fin au tour. Alors. Rome. Non, toujours pas. Remarque. Vu comment on s'entend. Hop. Carthage, avec un peu de bol, va me demander de faire la paix. Les Arvernes. M'attaque ici. Alors, je n'aime pas défendre quand il y a des troupes de bâtards en face. On va faire modéré. Voilà, donc je les ai calmés. En tout cas, ils reviendront pas m'attaquer de sitôt et leurs balistes ne vont pas s'emporter aussi bien. Voilà, plus de balistes et très peu de pertes. Franchement, c'est une très bonne opération de ma part. Donc voilà, ces Arvernes qui m'inquiétaient ne m'inquiéteront plus. La Confédération Celte me fout la paix. Monseigneur souhaite verser de l'argent pour votre peuple. Veuillez l'accepter comme un signe d'amitié. Oh là 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 là, ce qu'il me donne aussi. Est-ce que je le fais pour finir gentiment, quoi? Allez, on va faire ça. Votre sagesse dans cette affaire est tout à fait... Voilà, donc comme ça, je suis plus en guerre contre eux. Toi, tu t'entends bien avec tout le monde, sauf avec l'Arménie, donc il n'y a pas de raison. La question que je me pose, c'est que maintenant que ce sont mes états clients. L'équilibre des forces a été redressé. Maintenant que ce sont mes états clients. Alors, important de vérifier, ça veut dire que tous les mois, ils vont me payer quelque chose, néanmoins. Donc, on s'entend pas du tout, forcément. Et ils sont toujours en guerre contre Nazamon, etc. Nazamon, qui m'apprécie toujours autant, je vais leur demander de... Vous et votre peuple honorable.
Comment on peut voir rompre? Non, bah non, on peut pas leur demander de faire la paix, c'est dommage. Tiens, d'ailleurs, je vais juste en profiter de trois choses là. J'ai vu quelqu'un nabatté. Du commerce. Ok, bon, après, si les Drangians se font péter, je m'en fous. Moi, dans mes objectifs, ce qui n'est pas du tout ce que je voulais montrer, dans mes objectifs, j'ai tout ça. Il me manque deux putains de bateaux. Nique sa mère. Ceci est fait. Donc, vu que, du coup, je n'aurai pas de dernière bataille, on va aller voir côté gaulois s'il y a moyen que je prenne... à juste titre, Tarako, ou au moins voir ce qu'il y avait dedans. Il n'y a personne, c'est intéressant ça comme point de vue. Bikrat, ok. J'ai pas mal d'argent, je vais faire comme si c'était pas le dernier tour, des fois que ça ne le soit pas. Mais en théorie, si. Donc, à voir. Ici, j'ai une armée de bateaux tout à fait correcte. Qu'on va mettre là en patrouille. Pour diminuer le coût des... enfin, les pillages, quoi. Voilà, plus de bateaux en recrutement. Ici. Tarako, très bien. Ok. Donc, concrètement parlant, là, vu que j'ai chopé les Drangian, il faut que j'aille m'occuper de l'Arménie. Donc, toi, qui étais parti pour choper leur ville, tu peux remonter et aller voir ce que tu peux faire au niveau de l'Arménie. Donc par là quoi. Toi, il me semble que tu es une armée correcte. Voir également ce que tu peux faire du côté de l'Arménie. Ok. Hop. Toi, allez voir ce que tu peux faire du côté de l'Arménie. Et là, on a le pont qui ne rigole pas. Franchement, le pont en allié militaire dès le début était vraiment une très bonne idée. Et la Bithynie, qui je pensais allait rester passive, a finalement fait du travail tout à fait correct. Alors, on met fin au tour. Je sais, c'est un peu prématuré, mais là, franchement, j'ai pas de raison de partir. Voilà, traité de paix qui me paye 3200. J'aurais dû faire ça dès le début, quoi. Rome qui me paye pour partir en guerre et l'autre... Gazaka. Qui est passé aux mains, je crois, des... Oui, elle était... à la base, elle était aux mains de l'Arménie, mais elle est tombée aux mains de la Bithynie. Allez, on se fait plaisir, on déclare la guerre. De toute façon, on s'en fout. Knossos. J'adore Knossos, ils sont posés là et ils sont encore vivants. Ouais, enfin... non, t'es gentil, mais... 3200, je dois te payer pour une alliance défensive. Ouais, bon, ok, allez. Comme ça, je me mets bien avec ce qui reste en bas. Nazamon, Picton, Red, Venette. Attention! Non, là, faut m'expliquer, par contre. Non! J'ai perdu une province. What? Mais non, vous êtes pas sérieux. Vas-y, vous êtes qui, vous, encore? Les sabbats, quoi. C'est quoi, ce truc? Mais non, mais vous êtes putain de pas sérieux. Allez, bah les couilles, je vous fais plaisir. On va laisser les sabbats peinards. Je sais pas d'où ils sortent. On va leur rouler dessus, là. Bonjour. Hop. Allez. J'aurais calmé une partie des Gaulois. Je suis content. C'est moi. Et au moins, j'ai bien mes 90 villes. Regardez ça. J'ai quand même écrasé pas mal de monde. Allez. On va en faire une ville carthaginoise. Et si je peux, je viendrai les finir là. Voyage, voyage. Toi. Toi. Et c'est quoi qui transforme j'ai influence hellénique. Voilà. Tout ça c'est fait. Là j'ai... Oh bah ils sont là. Ils sont revenus ici, ils se sont perdus.
Tolosa, très bien. J'ai envoyé. Ouais, parce qu'à mon avis, ils ont dû l'avoir mauvaise, que je me barre de l'autre côté. Les Drangian, au final, j'en ai fait un état client parce qu'ils me l'ont demandé. Néanmoins, à moins qu'ils se remettent ici avec ça, comment je m'entends avec ces supposés. Je m'entends pas bien. Donc j'irai leur rouler dessus. Est-ce qu'ils s'entendent bien avec quelqu'un, ceux-là? Bah, ah oui, bah on les a pas encore découverts, techniquement parlant. Marche rapide. Jusqu'ici, s'il te plaît. Voilà, hop. Donc comme ça, je laisse les Drangian tranquilles. Des états clients. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait. Et pourtant, il y a un passif de la Macédoine. Alors, si vous ne le savez pas, c'est important de le savoir. Je ne sais pas où je pourrais le retrouver. Dans les factions. Je crois que c'est écrit là. Là. Non. Royaume successeur. Non. Donc ça, c'est sympa, par contre, pour moi. Royaume de Macédoine. J'avais vu un truc comme quoi, quand... Alors, je suis pas sûr que ce soit la Macédoine, mais comme quoi, quand vous avez... Wow. Je l'ai pas fait depuis un moment, franchement, j'aurais dû, quoi. Moi, j'ai claqué toute ma thune pour ce mec-là. Épistate Pélican. 5% de corruption en moins dans toute la faction. J'ai plus d'argent. Stratégos. Bon, bah j'y étais presque. 104. Bon là il devient complètement fumé le bonhomme. Fin du tour, j'ai rien à faire. Amaricus. Ah c'est ceux qui ont pris... ok. Ça, et ce qu'on va faire c'est que si pour l'armée quand même... Je crois pas que je puisse le faire pour tout le monde. Si, bim. Amélioration des armes. Il faut que ce tour-là... Pardon. Je résiste. C'est-à-dire que mes... Que mon état client Drangian ne fasse pas de merde. Si, voilà, c'était bien. J'ai eu un doute, mais... Non, parce que j'ai un... Maintenant, j'ai un traité de paix, vous savez, l'histoire de l'influence, de votre image, etc. Et le traité de paix sous-entend que je n'ai pas le droit de les attaquer pendant un certain nombre de jours. Monseigneur désire déposer les armes. La pitié ne l'inspire pas très souvent. Non, vous m'avez pété les couilles, l'Arménie, allez vous faire foutre. Voilà, je l'ai dit. Drangian, ils sont toujours présents, ça veut dire qu'ils se sont pas encore fait attaquer à ce tour-là. Nazamon, je sais pas ce qu'ils font, mais ça ne me concerne pas. Alors, attention. J'entre dans le camp de mon allié, effectivement. Parce qu'il faut pas déconner, mais Saba, je les connais pas et t'attaques pas mes troupes comme ça. Oh, chut! J'ai jamais vu ça. L'héritage d'Alexandre, succès déverrouillé, si, si! Tellement heureux, vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai terminé ma campagne Rome 2 avec ma putain de Macédoine. Voilà, je suis désolé, j'avais pas prévu que ça se finisse aussi tôt. J'ai déjà fait quand même 35 minutes d'épisode, vous allez pas vous en plaindre. Donc ce sera le dernier épisode de ma campagne sur Rome 2 Total War. En tout cas avec la Macédoine. Là, c'est là où vous intervenez, je ferai un sondage sur la page Facebook. Donc si vous avez votre mot à dire, on se retrouve dessus. Est-ce que j'en fais une autre? Si j'en fais une autre, qu'on se mette bien d'accord, ce sera pas une grande campagne comme je l'ai faite là. Là, je voulais le faire parce que la Macédoine, c'est mon coup de cœur à moi. Et que je voulais, avec un public derrière pour me motiver, vous voyez, donc ça a bien marché. Terminer une campagne avec la Macédoine. C'était très important pour moi. Chose qui a été faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire retour au menu principal. si je fais une autre campagne, ce sera sur les DLC. Donc en l'occurrence, j'ai César en Gaule, que j'ai déjà fait avec les Arvernes, qui était très intéressante. Et j'ai Hannibal aux portes, que j'ai même pas lancé.
mais je l'ai pris parce que je trouvais ça très intéressant. Donc votre avis m'intéresse, je ferai une demande. Donc César en Gaule, je rappelle que quand on le lance, on peut jouer soit une des trois campagnes gauloises, soit les Romains. Alors, j'ai fait les Arvernes parce que j'avais regardé Léviat au moment où il a fait la sienne. Donc à la limite, si vous voulez voir une campagne avec les Arvernes, j'ai adoré celle de Léviat. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, je préférerais ne pas en faire. Jouer Rome, j'ai essayé, c'est vraiment la merde. Au-delà de ça, j'ai trouvé que j'ai trouvé des Romains très fun à jouer, mais sur les grandes campagnes et pas spécialement sur celle-ci. Donc à la limite, c'est vous qui choisissez de toute façon. César en Gaule, la faction que vous voulez. Je ne connais pas, j'ai testé rapidement les Suèves, mais j'ai pas accroché, donc voilà. Sinon, Hannibal aux portes. Et là, à la limite, ça, si vous me le demandez, ça me ferait plaisir. Vous choisissez vous-même la faction. Que ce soit Carthage, que j'adulte tout particulièrement, il faudra que j'essaye. Que ce soit Rome, que ce soit Syracuse, que ce soit les Lusitaniens ou les Arvarques. Sachant que Syracuse, s'il vous plaît, je commence juste avec ça. Donc, c'est vous qui voyez quelle campagne, quelle faction. Je ferai à l'unanimité et je donnerai mon avis si vous n'arrivez pas à vous partager. Et si personne ne répond, je choisirai moi-même ce que je veux faire. En attendant, on se retrouve sur Facebook pour votre avis. Vous pouvez commenter la vidéo, il n'y a pas de souci. La liker, la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le début de la nouvelle saison. Sachant que je ne vous cache pas que ceux qui montent sur Steam pourront savoir que j'ai acheté un jeu récemment qui sera mon prochain Let's Play. C'est indiscutable. Même s'il sera court, etc. Et que c'est un peu différent de ce que je veux faire, il faut que je le fasse. Donc, vos avis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao !